Les yeux d'une servante sont fixés sur sa maîtresse, comme les yeux d'un serviteur. Sont posés sur son maître, comme les yeux d'une servante sont fixés sur sa maîtresse, comme les yeux. Des serviteurs sont posés comme les yeux d'une servante. D'une servante sont posés comme les yeux d'une servante. Dieu a voulu que nous décidions de nous rendre visite. Une visite de courtoisie. Donc c'est l'objet de notre présence ce matin. Ici aussi, en tout cas, tout va bien. Nous avons aussi appris que vous devez venir. Bon. Les parents sont réunis, ils vous attendaient. Et Dieu merci qu'on vous voit maintenant. Tout est là, yo. Avec la petite Zao. Zao, quoi, Yanyo. Yo. 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 Bon, merci, bon arrivée. Bon, c'est vrai, nous avons. Sacrifier à la tradition. C'est ça. Ça vient en parler à Dida. Oui. Il m'a dit, chacun déjà a dit ce qu'il voulait dire, qui exprime vraiment la joie de son cœur. C'est ça. Et actuellement, nous voulons maintenant qu'on dit la langue qui nous unit, qui est le français maintenant, pour pouvoir se comprendre. Et cela va encore plus accélérer, ou du moins sera encore plus aisé. Et la famille voudrait vous dire bonne arrivée. Avec cette bouteille, nous disons que c'est à vous. Je vais transférer d'abord. Bien, chers parents, la bouteille que voici, après les nouvelles d'usage, la famille nous offre une bouteille de liqueur. On nous dit encore bonne arrivée. La famille, vous avez dit merci pour la délégation. Vous dites merci. Excusez-moi. Que le Seigneur vous le rende santé. On va prendre un patagon. Vous avez vu, c'est nous que nous recevons. Il fallait bien que tu connaissiez qui est le chef de famille. Et à la suite, et sa suite. Donc, pour les chefs de famille, voici notre papa qui est Kwasi, notre papa Kwame Kanga, Kwasi Kanga, pardon, qui
mari et le chef de famille. La cérémonie pour laquelle nous sommes arrivés, c'est lui qui est le responsable de tout. Et à sa suite, je vais encore faire la présentation. Chacun va donner le nom pour éviter que j'écorche encore comme il l'a fait tout à l'heure. C'est ça. Kwaku Nguessa. Amani Nguessa. Kwame Ngoura. Et lui, vous connaissez déjà, mais il va encore répéter pour ceux qui arrivent la première fois. Zouzou Kwabe. Zouzou Kwabe. Voilà. Je termine avec moi-même. Je t'avais déjà dit Yao Paterno. La famille est réunie. Elle vous dit encore une fois de plus, bonne arrivée. Merci à Nana pour tous ces bienfaits. Et nous aussi, je crois qu'on va vous envoyer l'ascenseur. Parce que pour mieux parler, il faut que vous aussi vous nous connaissez. Voilà. Et je vais commencer par le chef de la délégation. Nous, on va se présenter pour ne pas qu'on se trompe. Et voilà. Donc, soyez les bienvenus. Doua Philippe. Doua Philippe. Merci. Pasteur Francis. Et moi, c'est Pasteur David. Moi, c'est Mendy Thérèse. Mendy Thérèse. Pasteur Emmanuel. Ça, c'est la délégation, mais elle est accompagnée. Donc c'est la délégation qui vient de se présenter, tous ceux qui sont là, ce sont les mamans, les soeurs, nos femmes, nos femmes. J'accompagne la délégation. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Puisse Dieu affermir vos pas et parmi nous, que Dieu vraiment bénisse nous. Merci beaucoup. Marche avec deux pieds. Le premier pied a été utilisé pour dire que ce sont les premières raisons. Nous voulons également, au nom de la famille, pour vous demander la deuxième. Mon frère Paten, oui. La deuxième nouvelle, là, hein, pourquoi tu as vu juste? L'homme a toujours marché avec deux pieds. La deuxième nouvelle, elle est aussi heureuse que la première. Notre fils, notre ami, notre cousin, vraiment, il a regardé dans le bidon. Et il y a une source d'eau quelque part qui est sortie. Tellement que cette eau est fraîche, il a parcouru depuis là où se trouve la dernière goutte pour retrouver la source. Et il vient et trouve à la source, là, vraiment il y a une belle fleur. Ah, vraiment cette fleur là, l'a attiré. Il est venu vers ses parents, vers ses oncles, pour nous donner la nouvelle. Ah, c'est cette route-là que nous avons nettoyée jusqu'à ce que nous sommes sur vous. Merci. Nous voulons vous dire merci. Au nom de la famille également, nous voulons encore vous dire merci. Merci, soyez les bienvenus. Merci d'avoir emprunté cette voie qui mène à la source qu'il faut. Et je vous remercie. Nana voudrait vous dire merci.
Mais par la même occasion, il voudrait s'excuser un temps soit peu. Pourquoi? Parce que nous sommes à Abidjan. Abidjan, c'est une ville cosmopolite, une ville qui abrite pratiquement tout le monde. Une affaire de cette nature qui dénote de la qualité des deux familles qui vont se réunir et discuter. Je crois qu'il faut trouver un cadre idéal pour pouvoir le faire. Le cadre approprié. C'est vrai que nous avons ici utilisé ce lieu, mais ce n'est pas le cadre approprié pour discuter d'une affaire pareille. Aujourd'hui, quelqu'un de passage, en discutant, il entend, il commence comme on le dit en Côte d'Ivoire, il met sa bouche dedans. Du coup, ce qu'on voudrait bien arranger, ce qu'on voudrait bien mettre comme situation vraiment honorante, ça pourrait encore dégénérer. C'est pourquoi, à travers Nana, qui est le chef de famille, je voudrais vraiment vous demander, vous prier, de trouver parmi la grande délégation qui est venue vous accompagner, quelques personnes, qui va avec nous se retrouver pour qu'on puisse discuter de ces problèmes, de sorte qu'on puisse entendre, parce qu'une affaire de fleurs, il ne faut pas la laisser au soleil encore moins sur la route.
servi poisson là pour donner à son mari. Pas servi poisson à son mari. Viens, papa, viens. C'est vrai que ton mari a vu des poissons, ton papa t'a donné poisson, avec ça le son est pardon. Papa a donné le poisson, t'es venu servir à ton mari, mais il a fini de prendre les poissons. Tu vois, non? Maintenant là, il va te suivre pour aller chez ton papa, pour aller le réinitier. Pour lui dire merci, papa, pour offrir ses chances aujourd'hui.